Bam, bam. Oh, les deux armes cumulées, ça fait 107 dollars. Ça vaut que dalle. Ça y est, tu vas avoir de l'argent. Ah ouais, là je suis à 12 000. Ah bravo. Ah c'est monté tellement vite. C'est à ton tour du coup pour le test. Ah oui. Alors... C'est d'ailleurs pas mal. Alors, donc c'est un vrai ou faux, comme avant. D'accord. Vous allez chercher le contrôleur quand quelqu'un est assis à votre place dans le TGV. Alors, quand quelqu'un est assis à votre place dans le TGV, vrai. Dans le stade, vous dites « Oh, monsieur l'arbitre, penalty !» Oh. Vous savez reconnaître les gens louches et ceux qui ont des têtes de truands. Oh. Ok, c'est à quel point est-ce que t'es un mec qui fait de la délation, quoi. plus ou moins. Vous aimez bien l'expression « cousin germain ». Oh. Vous n'aimez que les voyages organisés sans improvisation. Oh. Vous avez fait allemand LV1. Oh. Pas trop quoi dire. Tu peux m'aider? Est-ce que t'as fait allemand LV1? Parce que j'ai fait anglais LV1, mais je fais de l'allemand, j'ai fait de l'allemand à la maternelle. Bah c'est pas LV1. Vous D'accord. trouvez que la vidéosurveillance... Ah c'est quoi que la maternelle? Je suis à maternelle carrément. Vous trouvez que la vidéosurveillance, quand on a rien à se reprocher, ce n'est pas un problème? Vrai. Je l'attrape sur Colabo. Vous savez si votre voisin a permis de construire pour son abri de jardin? Faux, mais j'aimerais le savoir. Vous avez vous-même installé un radar artisanal dans la rue devant chez vous? Fou, mais j'aimerais bien. Ah! À l'école, vous étiez toujours au premier rang, mais vous n'aviez pas de lunettes. Vrai. Vous avez une raie sur le côté. Ah, vrai. Et vous ne voyez pas où est le problème avec la moustache brosse? Non, non, mec, non, on n'est pas sur ce mauvais goût-là quand même. Ce serait tard. Ah, bon. C'est quoi? C'est. J'ai pas de problème? Avec la moustache brosse. Non, il faut. Vous n'avez pas pleuré devant la liste de Schindler. Schindler, vrai. Peut-être. C'est non mais là, je sens que c'est du mauvais goût encore, mais c'est un film. La liste de Schindler, c'est un truc historique sur la Seconde Guerre mondiale. Ah. Une liste, je sais plus, c'est une liste de personnes à sauver parmi les gens à exécuter ou une liste de personnes à exécuter au contraire. Ah, je sais. Ça fait mal à l'aise. Tu veux qu'on arrête? Ouais, si c'est un truc sur à quel point est-ce que t'es collabo, c'est rigolo. Si on part tout de suite sur à quel point t'es Adolf Hitler, bon. C'est rigolo aussi. Bon, on sait où se placer, hein. Non, ça reste bon enfant. C'est quand même un test qui est fait par... un gamin un réseau, de 12 ans. C'est presque une entreprise qui fait les tests, donc ils peuvent pas se permettre de faire des trucs trop hard non plus. Imaginez. Voilà. Des gens risqueraient de parler. Voilà, bon hein. Les gens qui parlent, nous on sait ce que ça fait. C'est pas des tests du dark web. Je pense qu'ils ont autre chose à foutre dans le dark web que de faire des tests. Hein. Quiz. On se fait un petit quiz. Oh là là. Tu l'as le point parce que moi je suis largué. Je suis en haut. Ouais. C'est pris. La gare. Oh fuck. Oh, c'est un refroidi le Tesla. Ouais. Le mec. Bah déjà de base j'ai pas grand chose à dire là. En plus, donc ça n'aide pas. Ça aide à instaurer cette espèce de froid délicat entre nous. Ça y est, non, c'est fini, quelque chose s'est brisé là.
Nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. C'est ça. On se caresse plus le bas du coude. Le bas du coude. Rien n'a de sens. J'aime comment on caresse le bas du coude. En même temps, c'est fort agréable. C'est vrai. Fuck, on peut pas le prendre. Sud. Continuons vers le sud. Oh fuck. Oups, j'ai du ping là. Non, t'as pas le droit de dire ça. Bon, ça va le faire, mais... Fais gaffe à ce que tu dis, parce que la dernière fois que t'as dit ça, ça l'a fait. Ouais. Non, ça va. C'est stable à 116. C'est ma bonne moyenne. T'as pris ton pouls. Voilà. J'ai petit sauté à 200. On doit être sur un serveur un peu... Olé olé. Faut pas juger, mais... Pas un serveur de chez nous, ça. Ah, tu vois. Tu peux continuer le test. Allez, fonderie à l'ouest. Chouette. Je veux dire, ouais, je suis un bâtard, je voulais te prendre des traits à la partie d'avant, mais non, parce qu'on est mort comme des merdes. Pendant un blitz qu'on maîtrisait et t'as tout. T'as pas amélioré ton personnage niveau 50. Non. Étonnant. Mais niveau 50, il reste à la maison. Jusqu'à ce que j'en ai 5. Comme ça, j'aurai le trophée Steam. Chouette. Ouais, je serais content de ma vie. Chouette. Oui. Bien là le principal. Ah, corbal. Un corbal. Loin là-bas. Il vient vers nous. Non, non, c'est loin, c'est derrière le fort. Ah bon. Il y a des gens qui ont de l'avance. Bah c'est à la fonderie d'ailleurs, ouais, tout à fait, ils ont de l'avance. Les salauds, du coup, tu leur envoies un message là, pour leur dire nous aussi on arrive. Les textes. Oh les mecs, attendez-nous. Une autre fumée. C'est toi qui as fait le saut? J'ai sauté à un moment donné dans ma vie. Toi, ça te dérange? Ouais. Bah tu feras avec mon petit père. Un peu, ouais. Mon petit père. Petit père. Petit peu peur. C'est dans l'eau? Ouais. Ouais, fuck. Des gens. Je l'ai touché, ouais. Elle est sur la tour, là. Sur la tour, ah, ok. Elle descend de la tour. Ok, descendu. Là. Allez. Oh. C'est encore rouge, hein. Sur le toit. Sur le toit. Au-dessus de moi. Pour rien. Pour rien au-dessus de toi. Ça doit être de l'autre côté du toit. Ok. C'est ça? Ouais, ouais.
Ouais, toujours pas. Hein. Ok. Par contre, ça me plaît pas de rester dehors comme ça. Et là, et là! Yes! Ah, bravo, mais il est arrivé d'où? Bah, de l'intérieur. Ah. Ok. En fait, c'était la meuf là que j'avais vue. Bah, bravo, mec. Hein. Bah, merci, merci. C'est tout toi, ça. On te retrouve enfin. Je pense qu'il était pas très bon aussi. Non. Pas ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est. Merci, je suis content de la manière avec laquelle ce combat s'est passé. On ne dénigre pas ses adversaires. Hein? $500! Ah! Merci. Bah oui. Toujours plus. Bravo. J'ai tout pris. Oh non. Ok, je suis tué d'armes. Ouais, on va le tuer, sinon je meurs. Yes, mon héros. Oh, j'ai eu peur. Comment il s'est levé pour moi? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Et là, la deuxième forme. Ah là, joueur! Merde. Oh, il est mort! Ok, peut-être qu'il y en a encore. Oui. Ça court, ça court. Rapproche-toi de moi, rapproche-toi de moi. Ah, il est là, il est là! Je lance une dynamite. Ok. C'est barre, bien sûr. Non! Tu m'as tapé? Non, c'est la dynamite qu'on a pris. Bon, j'ai subi aussi avec la dynamite. Ok. C'est juste trop pour nous, bon. Ok, ok. Attention, il y a une porte derrière nous. Hein. Je peux surveiller le Maccabé. Maccabé, quel Maccabé? Celui que j'ai tué. Il est où? Voilà. Moi je sais pas où sont les gens là, clairement. Ouais. Attention. Ah lui là. C'est bon, plus bas.
La porte ici. J'ai touché mais pas tué. Délicieux. T'es soigné. Je ne vois que notre ami. Ok. Non, il est là sur le cadavre. Ah oh, putain! C'est long. Dur. Il a un Romero en plus. Hein. C'est dur ce jeu. Une balle quoi. Quand on sait pas se battre. C'est dur. Ah non, c'est chaud. Ah le mec il nous a vraiment tourné en bourrique. C'est horrible. Ah je l'avais eu. J'ai. Il est d'une balle en plus. C'était bien chiant. Et bah bravo. Hein. Ouais. Là son pote va pouvoir se réveiller et faire t'as vraiment calibre. Il va faire je sais bro. Pourquoi est-ce que j'ai que 475 500. De quoi? Le dollar qu'on a ramassé dans la caisse. Ouais t'es sûr que c'est 500? Ouais. Je sais pas. Bon. Je sais pas l'explication bro. Je sais pas quoi te dire. Tu m'as perdu. Mais nul. Mais quelle agonie. En train de ramper. Et des mères. Je chambre l'arbre. Allez. Allez. Bon, on continue. Allons-y. Est-ce que t'as déjà appelé les flics le jour de la fête de la musique? Non. Vous avez déjà vous avez regardé tous les noms sur les boîtes aux lettres de l'immeuble en vous demandant si c'est arménien ce nom? Ah non. Oui. Vous trouvez que les parkas en cuir et longues, c'est la classe. Et t'aimes pas Matrix? Que les parkas en cuir, c'est cool? Genre les manteaux longs en cuir, les parkas en cuir. Ah. Oui, oui, c'est sympa, oui, pourquoi pas. Ouais. Vous adorez découper des lettres dans les journaux. Non. Vous n'avez jamais utilisé la navigation privée. La navigation privée. Non, je l'ai déjà utilisée. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, toi-même. Ah. Mais j'ai découvert ça très très tard hein, pour l'anecdote. Alors vous comprenez toujours ticket restaurant et ticket de rationnement. vous adorez la fête des voisins, on y apprend toujours plein de trucs très utiles. Vous avez déjà noté le numéro sous l'écriteau. Que pensez-vous de ma conduite sur les mobilettes des livreurs de pizza? Quoi? J'ai même pas compris la question. Vous avez déjà noté le numéro sous l'écriteau. Que pensez-vous de ma conduite sur les mobilettes des livreurs de pizza? Tu sais, sur les livreurs de pizza, des fois, ouais. Sur mobilettes. Ouais. Okay. Que pensez-vous de ma conduite? Si ils conduisent comme des porcs, tu peux noter le numéro de téléphone et les reports. Ah. À leur boîte. D'accord. Bah, faux, mais je ne connaissais même pas ce système. Votre bureau est toujours très bien rangé. Trop, peut-être. Ah, c'est dur, parce que moi, j'ai envie de dire non, mais par contre, si un mec déplace un truc, je vais tout le mettre à sa place, donc je vais dire vrai. Ok. Vous êtes pour la vidéo dans le foot? La vidéo dans le foot? Ouais, genre les ralentis, enfin qu'il y ait une vidéo pour qu'il puisse revoir l'action. Ah, la VAR, oui, pour. Ouais. Pour. Et tu fais partie de ceux qui envoient encore des emails anonymes dans l'open space. Ah, faux. Ok. Ouais, c'est deux questions, du coup, j'ai quand même fini. Alors, vous n'êtes qu'un collabo à 42%. Vous êtes un vrai républicain, mais il y a des limites.
Vous seriez certainement un idéaliste, un combattant pour la liberté et un défenseur des droits de l'homme s'il y avait moins de gens pour vous faire chier. On est tous frères, mais on n'a pas gardé les vaches ensemble non plus. Ah, c'est pas faux. Hein. Ah, c'est pas faux. Ah, bon. Ah, bon. Ah, ouais. Je sais pas, c'était mignon comme test. Oui, c'est mignon. C'est mignon. Mais oui. J'ai eu peur pour rien, je suis désolé. Mais oui, je sais. Je sais que t'es désolé, ah, je sais. C'est pas bien. Mais non, mais... Il y a des limites au test. Ah, ah, il y a des limites à la bienséance. Il y a des choses, on connaît déjà les réponses. Voilà. Est-ce que je ne reste sur le côté là, t'as commencé à flipper comme ça. Oui, oui, non. Je ne veux pas carter un atissage. On m'a dit que ça resterait un secret si je déménageais en Argentine et que j'acceptais ce chèque de 50 millions d'euros. Le bon chèque. On continue sur le spectre ou on va au nord au boucher? Je dirais qu'on continue sur le spectre. Si j'ai un peu peur. Non, on va au nord, on va au nord. Je suis désolé d'avoir changé. Ah, il faudrait choisir, monsieur. Je suis désolé. Il est temps de faire des choix. Non. Je déteste les gens qui ne savent pas prendre de choix. Tu fais bien, parce que c'est détestable. Mais non. J'ai parlé plus vite que je n'ai pensé. Ouais. Tu as toutes mes excuses. Après, t'en fais ce que tu veux, hein. Tu te les gardes en tuant si ça te fait plaisir, mais tu les as en tout cas. Je les ai, je les garde. Je saurais quoi en faire. Publiquement. Certes. Salazar, ça prend tard. C'est stylé comme moi. Deux. Salazar Serpentard. J'aime bien Salazar, c'est... Salazar ? Salazar. Alors, ta fille s'appellera Salazar ? Oui. Je suis sûr qu'elle a très hâte, hein. Ah bah oui. Je suis sûr qu'elle a hâte d'écrire ça dans la marge de son cahier. On va aller à la chapelle au nord-est. Ah ouais, putain, c'est terrible. Jean-Eudes. Big up à tous les Salazar et Jean-Eudes. Puis on lui donnera le nom de sa mère. Salazar Chia Boudine. c'est un côté chantant du coup. Hein? C'est un côté chantant du coup entre le nom et le prénom. Ah oui. Genre, on a l'impression que c'est. Genre un sort d'Harry Potter pour revenir à cette table. L'adrénaline, c'est tellement long. Ah, ça. Si vous saviez, monsieur. Bam. Oui. Pas loin. Ah, vu tout ce qu'on a déjà traversé, j'espère. Ici. Cool. C'est blanc. Yes. Yes. Je vais miner derrière. Ah, casse. Oh yes. En même temps, vu que c'est ton boss préféré, tant mieux. Hein. Il y a juste là, il faut poser une mine. Ah, petite hache. Oh le mec, la brutasse. C'est rigolo de te voir courir comme ça. Allez cours petit, cours.
Il est derrière toi. Il est terrible. Il te court après. Merde, il est vénère. Il est vénère. Je suis vénère. Sur un kiff. Un gros kiff. Il est chez moi. Ok. Je passe au flingue, je pense. Ouais. Peut-être pas le tuer, mais. Ah oui, bon. Oh là là, ce tireur d'élite! Ah là là! Trop de balles dans le dos! Je pensais que j'étais son ami! Alors, du coup, il restait un endroit à miner. Là, c'est l'autre côté. Ok, super. Je te montre? Je vais visiter un peu? Alors, je crois que c'était par là. Je crois que c'était celui-là. C'est là ? C'est ça que tu veux que je mine ? Ouais. Et ben on va miner ça alors. Voilà, c'est miné, en biais. Cool. Ah, j'espère que t'es content. Ambiance en biais. C'est dur, hein. Pardon, excusez-moi. Tout à fait. Oui. Sorti au nord. Chouette. On a bien fait de pas aller au spectre. Oui. Alors. C'est les sorties qui m'ont fait décider au final. Ok. J'ai eu peur que le spectre soit là où il est, en l'occurrence. Donc, on a eu de la chance, mon gars. Reste plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas un mec tout seul qui arrive et qui nous bute tous les deux. Comme ça arrivait. Et au pire, j'ai diffusé, mec. Hein. Bah oui, bah ça marche alors. Mais dis-moi juste comme ça, est-ce que tu portes des chaussettes dépareillées ? Non. De temps en temps ? Non. Est-ce que tu avais moins de 15 de moyenne en maths ? C'est en quelle classe ? En moyenne. Oui, ça m'est arrivé, oui. Clairement, au lycée. En moyenne ? Dans ta vie ? Moyenne dans ma vie, pas, parce que c'est que au lycée, je crois que j'ai eu en dessous de 15. De toute façon, la primaire, déjà, c'est des lettres. Voilà, on en est dans cette discussion. Et puis, t'avais moins de 15 ou pas en maths ? En moyenne, dans ta vie. Sur 20. Je dis. Je vais dire non, du coup. J'en sais rien, en vrai, hein, mais je vais dire non. C'est important. Parfois, tu ne te douches pas de la journée. Ah non, jamais. Je me douche toujours. Dans ta voiture, tu aimes chanter très fort et très faux. Non. Tu aimes la coriandre.
C'est vraiment aimer, hein, c'est pas supporter. Ouais. Genre... non. Il y a un N dans ton prénom. Oui. Toujours dire ces questions-là. Tu mets le lait avant les céréales. Tu mets le lait avant les céréales, non. Ok. Sous la douche, il t'arrive de penser au sens de la vie. Oui. Tu as les yeux verts. Oui, à moitié. Nez jaune. Ok, je check. Ah, deux au nord, deux à l'ouest. Deux au nord, deux à l'ouest. Tough ou pas tough? Moi je dis tough. Oh non. Mais du coup on va à l'est, parce que c'est la sortie. Bah nous les sorties elles étaient au nord, mais on va aller au sud-est. Ouais. Attends. Et on sort par ici. Ok. On va avoir de la route, hein. On va aller au sud-ouest. Ouais. Puis ça tire même pas. Ils sont en train de se dire, ils sont vraiment très forts. Ah, quelle bande de campeurs, je déteste les joueurs qui campent, ça m'énerve. Du coup, je suis obligé de camper en retour, vous comprenez? Parce que je ne veux pas mourir, je veux gagner. Contrairement à cette bande de losers. Check. Ils auront pas bougé, je pense. Derrière nous, il y a encore des gens. What? C'est un problème. C'était un orange très vif. J'ai tiré pour attirer l'autre groupe. Trop galéré. Je l'ai pas eu. Hein. Merde. J'ai touché mais j'ai pas eu la tête. Ok. Je croyais en toi. Bah, faut pas. Hein. Clairement, t'as une chance, une chose dans laquelle il faut vraiment croire. Par contre, c'est toutes les situations de fight que t'as vu avec moi jusqu'à présent. Check. Je crois en toi, mec. Rien. Bah encore une fois, faut pas. Hein. Mais bon, après tu fais ce que tu veux, hein. Je vais pas te dire comment penser. Je sens que je... Ça y est, c'est pas grave. Parce que si tu as le libre arbitre. Non, je crois qu'il tire pour attirer un autre groupe. Très bien. T'imagines, tout le monde fait ça, mais en restant dans son coin. Une game où tout le monde tire, mais personne ne se pense jamais. Ça, comme il y avait deux groupes, mais qu'il n'y en avait qu'un seul, comme ils nous suivaient, ça veut dire qu'ils s'étaient pas rencontrés. Donc, ça veut dire qu'il y a un des deux. Putain, c'est plein ouest. Ça veut dire qu'il y a un des deux groupes qui avait pas capté qu'on s'était barré. Du coup, en tirant, mais ils se seraient dit merde, il y a du fight. Ah, je pense que ça pousse à checker la map. Ce genre de fight sans moi. Et là, ils y vont. Eh, sur... hey, c'est oui. Ici le fight sans moi. Bah, maintenant, c'est un fight avec toi, mec. Ok, super. Exactement. S'ils voient que la prime est dans le fight, donc ils veulent une part avant de se battre, avant de la perdre. Oui, une part du gâteau. Tout à fait. C'est bon les gâteaux. Puis en soi, on est déjà indiqué sur la map, on n'est pas à deux coups de feu près. Oh bah oui, hein. T'as bien raison. Pour rien. Par contre, si on peut éviter les corbeaux. Je suis abonné à Corbeau. Faudrait bien un petit cheval avec ça. Voilà.
On dit cheval. Un petit cheval. Cheval. Ah, problème de ping élevé, mais super, ça fait longtemps. Génial, je check. 510. Pas rien. Oh la vache. On a fait un chemin là. Ouais. La map. Et pas en diagonale. Hein. Ah, bite de cul. Une petite courbe. Non, qui va être top. Pardon. Le sac à viande de fin de partie, j'ai envie de lancer explosif dessus. Réfrène-toi, Jean-Guy. Jean-Guy, écoute la voix de la raison, bon sang. Ah, saut qui fait gagner un millième de seconde. Mais ce millième de seconde, c'est le tien. Oh, même tu sais. Sa personne pourra te l'enlever. Ah oui, j'avoue. Putain, mais c'est tellement horrible de tirer au sniper quand t'as rien. Et quand tu cours. En même temps. Tu fais un petit check devant, juste pour être sûr. Plus qu'une seconde, mec. Ah, ok, laisse tomber là. Oh, les coin-coin. Ah, okay. Toi aussi, t'es. C'est tellement tentant. J'ai encore loupé. Là, je panique. Hein. Pas... Rush. Il y avait. Je check. Ah, orange. 75. Quel con! Tu l'as pas du tout lancé en 75 et ça m'a touché, mec! Ça a touché? Oui! Tu l'as pas du tout lancé en 75? Merde! Tu l'as lancé dans ma direction! Oh non, c'est vrai! Et ça m'a enlevé entre un tiers et la moitié de ma vie! J'ai de la chance de pas être directement dedans, quoi! Oh merde! Désolé! C'est quoi ce lancer? En fait, moi, j'ai lancé où il y avait ton marqueur! Oui, oui, le marqueur était, a été bloqué par le bateau, c'est pour ça que après j'ai donné le numéro de la direction. J'ai été con. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? T'es pas mort en tout cas. Bah non, 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 très content. Très bonne game. Ça aurait été dur. Ouais, j'avoue. Ça m'aurait fait mal au cul quand même. Et bah, on avance chacun. Même pas, t'aurais eu le blocage. Genre, un allié est mort dans la zone de. Ah oui, putain, j'aurais eu 13. Bateau, t'aurais dû me reste, le mec serait venu, t'aurais dû te battre pour de vrai avec un explosif en moins, quoi. Oh là là. On a perdu. Ah la teuf. Non, non, heureusement, rien de tout s'est passé, mes amis, messieurs. C'est vrai. La situation est gérée. Oh là là. Alors dis-moi, est-ce que ton correcteur orthographique te sort un mot bizarre, mais tu le laisses car c'est drôle? Non. Parfois tu mets les doigts dans la prise pour voir comment ça fait? Non. Tu adores faire éclater le papier bulle? Ouais, quand même, ouais. Tu es un peu triste quand tu enlèves ta crotte d'œil du matin, quoi? Non. Tu préfères la mayo au ketchup? Non. Tu prépares tes vêtements ou du lendemain la veille? Oui. Voilà. Tu aimes bien manger les miettes de chips qui restent dans l'assiette? Oui. Tu mouilles ta brosse à dents? Ouais. Parfois tu renifles ta vieille morve, tu l'avales et tu me sens quoi? Mais c'est quoi de... Non. Tu es déjà quelqu'un du même sexe que toi? Ah bon, d'accord. Quoi? Est-ce que tu as déjà une relation homosexuelle? Non. Tu as un chat? Non. Tu as les cheveux courts? Oui. Tu possèdes deux yeux? Oui. Tu portes des lunettes? Non. Tu dors à poil? Non. Parfois tu kiffes sentir la forte odeur qui sort de... T'es quoi? Non, Vanier, non. Tu ne possèdes pas de console de jeux vidéo? Non. Tu aimes bien taper sur la bière de ton pote pour qu'elle mousse et déborde? Non. Tu as déjà pris de la drogue sans que tes parents soient au courant? Non. Tu pratiques une activité sportive de façon intensive? Non. Tu t'es déjà réveillé avec des dessins sur le visage? Non. Tu sais qui est Zao? Cette façon qu'elle a de te regarder? Non. Tu as eu un bac ES? Non.
Je vais passer celle-là. Tu as déjà vomi autre part que dans les toilettes? Oui. Tu as déjà léché l'encre de ton stylo pour tester, quoi. Non. Ah, c'est pour voir le pourcentage de teubé ou comment ça se passe? Je crois que oui. Oui, je sais pas. Enfin, je dis ça parce que certaines questions m'y font penser, mais d'autres pas du tout, donc. Je vais passer des questions un peu cheloues, dont je connais la réponse pour toi. Parfois, on te Merci, touche à peine, mais tu merci. fais semblant d'avoir mal. Non. Enfin, si, pour... si mais faut que je fasse vraiment semblant d'avoir mal ou je le fais en rigolant? Non. Je vais passer les autres en test de merde, en fait, je suis désolé. D'accord. Bah, merci de passer les trucs nuls. Ouais, ça, non, ça va chier celui-là. Bon, on finit sur un test nul, mais une victoire, donc c'est ça important. Je vais pas lire le résultat parce que c'était vraiment à chier. Je D'accord, suis désolé, merci. ça avait l'air bien sur le papier, mais en fait c'était de la merde. D'accord. Bon, Comme bah, quoi, c'est faut pas donné. se confier, faut pas se faire confiance au site de Ça l'internet. mérite J'irai les d'être tâtons la dit. prochaine C'est une bonne idée. Voilà. Voire même, on pourrait écrire nos propres tests pour la prochaine. Oh mon dieu! On peut en Parce faire que bon, un, on ça peut doit faire. pas être bien compliqué à écrire, hein. Je suis désolé, mais... désolé si c'est votre profession, mais je suis peut-être du genre, ah, ça doit pas être difficile parce que je l'ai pas encore fait, enfin, des tests comme ça, bon, ça va. Ça a l'air d'aller, quoi. Voilà, et sinon j'ai débloqué la dernière maîtrise de l'immolateur, moi aussi. Voilà, bravo. Tu devais l'avoir débloqué avant moi, je crois. Je sais pas pourquoi. Ouais, life. N'ai aucune idée. Life. Cool. Et bah, on va s'arrêter là. Ouais. On va s'arrêter sur cette victoire. On aurait eu au final beaucoup de victoires, plus que prévu. 5,5, non? Oui. Ouais. C'est ce qu'on pouvait imaginer. On a perdu combien de chasseurs? On a perdu. Et en deux. En effet, on a quand même perdu 8 chasseurs. Ah ouais. Ah ça, on n'a pas fait la liste entière. Parfois, on a fait la liste entière. On a déjà eu plus que 10. Donc 8, c'est beaucoup, mais c'est pas la fin du monde. Et on a eu un nombre de victoires quand même. Ma foi, somme toute conséquent. Par contre, ouais, on s'est pris des bons gros bits dans la gueule, quoi. Oh oui. On a eu des fights à 2 contre 1 qu'on n'a pas réussi. Ça Ça fait fait de la mal. douleur. On vous donne rendez-vous pour la suite de Hunt dès que possible. Et comme à la coutume, si la porte vaut mieux, des bisous. Bye. Bon.